Les violences sont inadmissibles. Aucune cause ne peut justifier de telles violences. Aujourd'hui dans le Bitcoin, on va commencer par le négatif et ensuite on va passer au positif, un peu comme un test d'alcoolémie sur la route. On va commencer par le négatif, on a fait une grosse chute sur 2 semaines ici sur le Bitcoin. Psychologiquement, voilà, c'est assez dur à supporter, hein. 2 semaines de chute, on se dit ah, ça continue à chuter beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, niveau mur d'achat ici, on a foncé droit dans le mur. C'est un gars qui a mis ça hier dans le commentaire, ça m'a fait marrer. Mais ouais, on a foncé droit dans le mur ici. Pour l'instant, on est vraiment au bas du mur. Peut-être que les whales du bas ont été les plus puissants, ce qu'on va voir ici. Mais en tout cas, pour l'instant, on se fait rejeter légèrement. Après, voilà, c'est du 4 heures. Je vous rappelle qu'en daily, c'est toujours rouge. Le dernier truc un peu négatif, c'est pour les rebonds solides. En général, ce qu'il faut, c'est rebondir sur un des niveaux Fibonacci. Si on prend le bottom et le top ici, voilà. Et actuellement, on est pile entre deux, on est pile entre 0,5 et 0,382. Si on rebondit ici, ça ne respecterait pas les rebonds Fibonacci, et c'est assez rare qu'ils ne rebondissent pas sur un niveau Fibonacci, voilà. Ici, par exemple, on a eu des bougies bleues ici, 2 bougies bleues avant de se faire rejeter. Par contre, pas de piège, pourquoi? Parce que divergence boule ici non confirmée. On est sur une potentielle divergence boule, sauf que ce n'est pas confirmé parce qu'il n'y a pas eu la boule verte ici. Donc, si vous voulez acheter, attendez au moins la boule verte. Pour être en mode un peu plus sécurisé, parce que si vous attendez pas, bah on peut être sur une bougie bleue comme ici, là c'était une divergence potentielle, et après bim on se pète la gueule, mais il n'y a eu pas de boule verte, donc trop risqué d'acheter. On va passer au positif. Alors j'ai l'impression qu'il y a plus de choses positives que j'ai notées que de choses négatives, donc ça aussi c'est, on va dire, un point positif. Le titre n'est pas putaclic, il y a vraiment quelque chose que, sauf erreur, aucun youtubeur n'a remarqué, ni sur Twitter, ni sur YouTube, et que j'ai remarqué déjà avec ces lignes parallèles ici. Donc non seulement ils indiquent des supports résistance, ok, donc ça c'est très bien. Par contre, ce qui se passe aussi avec ces lignes de support résistance, c'est que durant un bull market, donc lorsque la tendance est haussière, alors attendez, hop, on va virer ça, lorsque la tendance est haussière, les EMA sont respectés, donc rouge en haut, ensuite orange, ensuite machin. Ici c'est pas le cas parce que tendance baissière, mais ici la tendance est toujours haussière, d'accord, ici EMA rouge tout en haut, EMA blanche tout en bas, voilà. Quand il y a une chute, on descend toujours de 2 étages. Pour remonter sainement. Par exemple ici, hop, on remonte un peu, on pète 2 étages. En fait, on n'en pète qu'un seul, mais on descend de 2 étages, voilà. On pète celui-ci et on rebondit sur celui du bas. Ici, qu'est-ce qui se passe? On pète celui-ci et on rebondit sur celui du bas. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On rebondit sur celui-ci et on rebondit sur celui du bas. Voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? On pète celui-ci, celui-ci, et là, on rebondit sur le troisième. Voilà. Sauf qu'après, bah, c'est terminé pour le bull market, parce qu'après, on rebondit pour descendre plus bas. Donc là, c'était vraiment le crash de trop, on va dire. C'est celui qui n'a pas respecté les 2 étages. Et après, bim, on s'est fait sélectionner par la nature. Et ici, pareil, regardez. Voilà, ici, 1 étage, 2 étages, et après, bim, on rebondit. Voilà, donc là, actuellement, ça a aussi respecté au niveau de la tendance. Et actuellement, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a chuté de 2 étages ici, d'accord? Et donc, la théorie veut que, théoriquement, bah là, après, on continue de monter... pour la suite du bull run, quoi. Voilà. Ici, c'est assez simple. C'est un signe de force. Hop, on retourne. Et si on pète ici, donc si on clôture théoriquement sous ce support en daily, bah, dans ce cas, le sang doit couler. Voilà. Sinon, autre point positif, mais j'ai déjà dit avant, bah, tendance sur haussière. On reteste actuellement cette ligne dont j'ai parlé depuis très longtemps. D'accord, ça fait très longtemps que je parle de cette ligne gigantesque, enfin de ce support résistant gigantesque. Donc, on s'y attendait un peu. On était prêt à retester ce niveau. Autre chose bull ici, le Fear and Greed Index. Alors, il y a de plus en plus de noobs qui utilisent ça, mais on va quand même le prendre en compte parce que ça reste un indicateur. Quand on est en fear, c'est bull. Quand on est en greed, c'est bear. Actuellement, on est en fear. Donc, c'est en fear en général qu'il faut acheter. Durant le bear market ici, je me souviens, on était fear depuis très longtemps. Je crois qu'on était en fear déjà là, et après, pendant plusieurs semaines, bah, c'était fear sans arrêt. Après, pourquoi pas, voilà, ça reste un indicateur. Quand les gens ont peur, il faut acheter. Quand les gens... sans greedy, il faut vendre, ça c'est la théorie. Autre chose, alors là c'est plutôt un rappel, les chutes de jusqu'à 30% c'est totalement normal durant un bull market. Là on est à, voilà, même pas 20% de chute depuis l'ATH. C'est totalement normal, il y en avait plein dans le passé, il y en aura plein dans le futur. Donc voilà, même ici on a une grosse chute, hein. Là c'était combien? On a eu du 24%. Voilà, là on est sur du 20, là on est du 24. Jusqu'à 30%, même 35 des fois, c'est totalement normal. Après oui, psychologiquement ça fait mal au cul, même si on investit... 5 000, qu'on est monté à 10 000 et après on descend à 7 000, moins 30%. Psychologiquement, c'est de l'argent qu'on perd, même si on est en train de gagner. Autre chose positive, grosse divergence bull ici. Voilà, là ça monte et là c'est
Là, ça descend légèrement. Hier, il n'y avait pas encore de divergence boule vu que on attendait la clôture. Mais là, c'est clôturé et là, officiellement, maintenant, le RSI descend et là, officiellement, ça monte. Et ça, c'est très bon. Donc, actuellement, jusqu'à 40 000, il peut descendre jusqu'à 40 000 pour qu'il y ait toujours une divergence boule actuellement. Et en plus, elle est très grande. Je vous rappelle que les grandes divergences boules font des grands résultats. Les petites divergences boules font des petits résultats. Voilà, ici, on avait souvent des grandes divergences boules, par exemple, là. Et encore, celle-là, les petites, regardez. Petite divergence boule, ce qu'on a fait. Ici, sauf erreur, il n'y avait pas de divergence boule. Voilà, ça a monté, là, ça a monté. Mais ici, par exemple, il y a une grosse divergence boule. Là, ça descend. Et ici, voilà, ici, ça monte. Grosse divergence boule, bim, on explose. Et là, la taille des deux est plus ou moins similaire. Même que celle-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grande. Voilà, donc, grosse divergence boule. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'on n'est pas sur un niveau Fibonacci. Donc, reste à voir si on va toucher le niveau 0,5 comme exactly as ici. Regardez, voilà, si on fait par exemple là. Ici, on est voilà, plus ou moins pile poil sur 0,5. On trouve du support avant de remonter. Voilà, dans tous les cas, ce qu'on attend, voilà, c'est le point vert ici sur le VMC. Stochastique évité, vu qu'on est vraiment survendu actuellement. Le stochastique, il suffit d'une bougie bleue pour qu'il se croise. Attendez plutôt sur le VMC une boule verte pour confirmer la divergence. Si divergence boule confirmée ici avec la boule verte, donc si le bottom est là et le top est là, bon, le top il est de toute façon là, mais le bottom, on peut le descendre un peu plus s'il y a une tige, voilà. Mais on prend le bottom, le top. Vu qu'il y a toujours un butterfly en cours qui n'est pas encore confirmé, hier il n'était pas confirmé parce qu'il n'y avait pas de divergence confirmée, mais une fois que c'est confirmé, oui, il y aura un butterfly et dans ce cas, la target, voilà, même en 4 heures, il me semble, c'est vers les 63 000. 891, donc là vous pouvez prendre le premier take profit. Premier take profit 63 891 si le bottom est ici, d'accord. Si le bottom de la divergence est ici vers les 55 563. Et dernière chose, parce que ça reste un indicateur, aujourd'hui c'est la pleine lune et durant le bull market, voilà, là c'est tous les pleines lunes durant le bull market. En général c'est plutôt bon, il affiche souvent les bottoms durant les bull market, par exemple ici c'était une zone de recharge, ici aussi, et après même ici en fait c'est une zone pour recharger et ensuite en remonter. Et après, bien sûr, durant le bear market, ça ne marche plus trop. Mais en général, la pleine lune affiche des zones de recharge durant un bull market. Tout comme ici, par exemple. Regardez, là, on était quasiment sur un bottom. En tout cas, vendre ici, c'était pas très intelligent. Et après, on monte. Ici, bon, là, c'était une exception. Elle n'a pas montré un bottom, j'ai l'impression, durant le bull market. Et là, on est en train de crasher. Et c'est la pleine lune aujourd'hui. En tout cas, historiquement, il y a beaucoup plus de taux de réussite que d'échecs. Voilà, sachez que la lune ça influence tout sur Terre, hein. La mer, les humains, certaines personnes sont très bizarres durant la pleine lune, voilà, ma mère par exemple elle s'énerve assez rapidement durant les pleines lunes, ceux qui gèrent le marché le savent, donc souvent je pense que les traders prennent des décisions de merde durant la pleine lune, et quand ils voient le truc chuter, ils disent ah c'est terminé, je vais me tirer une balle ou un truc comme ça, et après en fait ça remonte parce que quand ça chute avec la pleine lune, on panique théoriquement plus. Et du coup, on risque plus de rush quit le marché que si, par exemple, il n'y a pas de pleine lune. A vous de voir si vous voulez trader avec la lune ou pas. En tout cas, l'indicateur existe sur TradingView. C'est Moon Four Seasons. Four Seasons, voilà ici. Si vous voulez chercher l'indicateur. J'espère que j'ai pu rassurer un peu ceux qui sont sensibles à la lune, qui sont PLS, qui paniquent ici. Voilà, ne paniquez jamais, pensez de manière rationnelle. Regardez ce qu'il y a de bull, mais aussi ce qu'il y a de bear. C'est ce qu'on a fait dans cette vidéo. Actuellement, pour moi, il y a plus de signaux bull que de signaux bear sur le marché, d'accord. En tout cas, sur le long terme. Les indicateurs que j'ai montrés il y a 2-3 jours, aucun ne montre un signal bear sur du 2 semaines lit. Donc sur du long terme, on est toujours bull. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Merci beaucoup, merci et bonne soirée.